Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Salut Hervé, très heureux de commenter ce match avec toi. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Sortie de but. Le joueur à surveiller de près. C'est un super finisseur, capable d'exploiter le moindre ballon. Oh, c'est l'interception. Roman Zobnin. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Manuel Fernandez. Ah oui, la bonne passe. Ah, on a cru qu'il pouvait marquer, mais c'est une sortie de but au final. Roman Zobnin. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ribus. Krikoviak. Alexei Mironchuk. Il y a beaucoup d'espace devant. Il cherche un coéquipier dans la surface. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Oh, superbe ce tacle, à un endroit crucial. Roman Zobnin. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Ouais, on passe par les côtés. Roman Zobnin. Oh, c'est bien donné en profondeur. Pour un équipier au second poteau. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On voit que le gardien touche le ballon. Il était pas loin de l'arrêter, mais il n'y est pas arrivé. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Krikoviak, Manuel Fernandez, Mironchuk, Alexei Mironchuk. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Interception. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Il a donné un petit peu trop en arrière ce centre par rapport au placement des autres joueurs. Il faut qu'il centre là. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Le centre vers ses coéquipiers. Et on a dégagé pour écarter le danger. Krikoviak. Il a toujours le ballon.
Roman Zobnin. Roman Zobnin. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. En position idéale pour centrer. Le centre à destination de ses partenaires. Là, les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. La mi-temps qui vient d'être sifflée. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Oh oui, encore une bonne passe. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Feder Smolov. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Manuel Fernandez. Le ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? Ça lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Avec un tir. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Evedes. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Il prend la frappe. Ah, c'est contré. Il prend sa chance. Et le ballon bloqué par le gardien. Roman Zobnin. Zobnin. Non, elle est interceptée cette passe. Krikoviak. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Elle va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Le contre qui se rapproche du but adverse. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Il s'avance vers la surface. Il cherche un coéquipier dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Le ballon qui sort, touche. L'entraîneur qui va effectuer un changement. Ah, c'était la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. La remise directe, c'est bien vu. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. C'est finalement un ballon perdu. Manuel Fernandez. Bébus. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Attention à cette perte de balle au milieu. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. Hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Krikoviak. Manuel Fernandez. Ribus. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Gouchakov. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Evedes. Le temps qui file dans ce match.
La décision n'a toujours pas été faite. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. L'arbitre qui signale un hors-jeu. L'entraîneur qui a décidé de faire un changement. L'entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là, c'est décidé. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Manuel Fernandez. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Et les joueurs très déçus au moment de quitter le terrain, bien sûr. Ouais, c'est jamais marrant.